Yo tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost sur la map Stonehaven, donc le château médiéval. Dans cette partie j'étais accompagné de Furox, de Sid Maber, Globac, j'avais d'autres gens avec qui j'étais aussi, enfin je me rappelle plus trop avec qui j'étais. Donc voilà, on les spawn killer un peu à B, on s'est dit on va prendre A et C, comme ça on pourra bien les spawn à B. Et bah j'ai fait la QM, donc voilà. Donc on se retrouve pour une QM à la K12. Donc c'est vrai que j'essaie de varier un maximum pour les QM. J'essaie à chaque vidéo de QM que j'ai proposé pour ma chaîne, pour l'instant c'est que des QM avec des armes différentes. Donc j'essaie de divertir. Donc la K12 je l'avais jamais fait, donc je me suis dit, en plus c'est l'arme la plus facile du jeu et j'en ai pas fait avec, donc je me suis dit, merde, faut que j'en fasse une avec. Et voilà, donc c'est fait. Donc j'avais mis dessus silencieux char à grande cape. Après en atout j'avais passe-passe. Là passage j'obtiens mes spécialistes. J'avais passe-passe je crois. Ah non, j'avais pas passe-passe. J'avais fin prêt, pillard, détermination, tracker et as de la gâchette. Ouais voilà. Et en truc là j'avais le truc genre quand je tue un ennemi ça dévoile pas. Enfin, il n'y a pas le crâne là, genre que j'ai tué un ennemi. Après, l'autre c'est pour lancer les grenades plus vite, même si j'ai pas de grenades. Enfin, bref, j'ai mis que des trucs de merde en spécial. De toute façon, je mets tout le temps les trucs aléatoires. Après, j'ai mis reconnaissance quand je touche un ennemi, il est sur le radar. Et après, j'ai vu que j'avais mis passe-passe parce qu'après je recharge plus vite. Mais après, les autres trucs, je me rappelle plus. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va se retrouver donc, pour une KM, comme je vous ai dit. Donc je voulais vous dire aussi que j'avais réussi à. Comment on pourrait dire ça, à faire remarcher le truc Google Plus là, genre je pouvais plus poster de commentaires et ça y est, j'ai réglé le problème, donc je peux encore de nouveau commenter. C'est juste parce que avant j'avais enlevé Google Plus, je l'avais désactivé, en fait fallait juste le réactiver et voilà. Ah oui, j'étais accompagné de Christian Korkmaz, voilà. Il y avait lui, ouais, on était 6, voilà. Là au passage j'ai eu chaud, j'ai plus de balles, je suis allé en plein mid sur B. Je me suis dit bon, on va tenter, on sait jamais. Sinon aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto comment réussir la KM facilement. Même si je suis pas un pro des KM non plus, j'en suis à 7. Donc c'est pas trop mal on va dire. oh désolé, j'ai un peu la voix enrouée. Franchement, je vous conseille de jouer avec l'arme avec laquelle vous vous débrouillez le mieux. Ça semble assez normal. Mettez le silencieux, surtout mettez le silencieux, parce que franchement, sur ce jeu, tout le monde regarde son radar pour voir où vous êtes à chaque fois. Jouez en spécialiste, hein, ça semble assez logique. Jouez en spécialiste, contournez la map, ça c'est très important. Ne passez pas plein middle comme moi je le fais, comme un bolos de la jungle. Je passe en plein mid, on s'en fout, on fonce dans le tas. Non, franchement, passez sur les côtés. Et voilà, franchement, tout ira bien normalement. Si vous passez sur les côtés, silencieux, spécialiste, avec une arme que vous gérez, normalement ça devrait y aller tout seul. Là, au passage, j'obtiens la KM. Donc c'est vrai que je suis pas mal resté dans ce bâtiment. Parce que voilà, les mecs ils spawnaient juste à côté. Donc voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Bon, c'est un tuto vite fait, easy money. mais voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, la KM vous a plu. Donc là je fais une petite quad avec la KM. Vous avez vu que la map elle est super sombre. Enfin bref. Donc c'était Blackbird HD, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire, ça fait très plaisir. Et moi je vous dis à demain. Allez, ciao tout le monde.